À l'intérieur de ce jardin, en ce qui concerne la biodiversité, nous avons la diversité animale et la diversité biologique végétale. Ici, nous avons notre volière. Bien qu'elle soit un peu pauvre en espèces aujourd'hui, on peut voir certaines espèces de volailles dedans, telles que les poulets Goliath, les dindons et quelques poulets locaux où nous sommes en train de faire un croisement. Il y a également les tortues terrestres. Ah oui? Il y a les tortues terrestres parce qu'ils ont beaucoup plus d'espace ici. Pourquoi avoir choisi d'intégrer des animaux domestiques, des espèces domestiques dans ce jardin, au lieu peut-être de limiter donc cette promotion-là aux espèces sauvages? Oui, tout est pédagogique. Ça, c'est un, à but pédagogique. Deux, je vous avoue, il y a des gens qui ne connaissent même pas le dindon. Il y a des étudiants qui n'ont jamais vu le dindon. Et c'est ici qu'ils découvrent. Il y a d'autres qui n'ont jamais vu même le coq. Si peut-être les gens qui viennent et puis ils vont à la maison, ils ont des... Excusez-moi, la bonne ou bien la fille de maison, ils sont allés déjà faire le marché, on est venu préparer, on vient, on va à table, on mange et puis on va au service. Il y a le véhicule qui vient les chercher, on les amène au service. Des gens n'ont jamais vu le coq. Mais comme ils viennent à l'université, ils sont obligés quand ils finissent, ils sont obligés peut-être avec la compagnie, ils sont obligés d'aller découvrir un peu les espaces. Je vous dis, il y a des gens qui sont venus ici, n'ont jamais vu l'IAM. Mais ça peut sortir de l'ordinaire. Les gens n'ont jamais vu des tubercules de manioc. Moi, j'enseigne l'ethnobotanique. Mais je vous dis, le ricin, j'ai présenté comme les plantes à usage multiple. Les gens n'ont jamais vu le ricin en deuxième année d'université. Donc vous voyez, ça dépend. Ici nous avons le varanium. C'est l'administration forestière qui nous a fourni ces varans. Il y a de cela environ 8 ans. En 2012, où ils sont venus faire des lâchers. Et on a pris ces varans avec une taille d'environ 20 cm. Aujourd'hui, regardez la taille de ces varans. Rien que avoir la queue de ces varans et avoir leur taille, on peut s'imaginer. Ils ont été alimentés déjà depuis près de 8 ans et voilà déjà leur taille. Les varans se nourrissent de quoi? Et on les nourrit avec les poissons et ils se nourrissent de la viande. Les poissons, de manière globale avec les poissons, les viscères. Et pourquoi on constate qu'ils ne se reproduisent pas? Oui, justement, quand les animaux sont en captivité, ils limitent leur reproduction. Ça, ils supposent qu'ils ne sont pas dans les conditions idéales. Et de deux, c'est que le bassin ici est très petit pour eux. Ça fait partie des contraintes et des difficultés que nous avons dans les jardins. Donc, nous avons besoin d'un financement de reconstitution des infrastructures d'accueil de la diversité animale. Ici, nous avons les serpents. Ça, c'est le nageant à cou noir. Vous allez voir, il peut se lever jusqu'à 1 mètre de hauteur. Il vient de cracher à nouveau. Non, ils jettent, oui, c'est le venin, mais son venin n'est pas aussi toxique. C'est toxique pour les yeux. Mmh.
Oui. Ici, c'est ce que vous appelez boa, c'est le gros python. Aujourd'hui, c'est le ça, c'est le gros python. Venez pas. Il doit faire environ 5 mètres de long. Voilà, ça c'est la vipère. Aidez-moi à ouvrir. Voyez la position de la tête par rapport au corps. Si je le mets ici tout de suite, lui l'attaque de côté. Est-ce que vous arrivez à sortir ces personnes-là? Oui, on sort d'habitude avec les spécialistes. On les sort, on les mesure. Non, c'est l'autre qui sent. C'est celui-ci. C'est pas lui. Lui ne sent pas. C'est lui qui dégage l'odeur. Celui qui est de l'autre côté, le nageur. Quand vous entendez cette odeur-là, il faut faire attention. Ça veut dire qu'il est dans la zone. Ici, nous avons le rat géant. Ici, nous avons le rat géant. Mais là, le jour, eux autres, ils sont inanimés, ils dorment. Alors que la nuit, ils sont plus actifs. C'est ce qu'on appelle la tchoula. Oui. C'est dommage. On avait un ici qui est un mutant. Il y a Achou, il est complètement blanc. Oui, oui. Complètement blanc, c'est un mutant. Bon, malheureusement, on l'a perdu. Ici, nous avons le tortutorium. Nous avons le tortutorium où nous avons des tortues aquatiques. C'est vrai qu'on est passé, tout à l'heure au niveau de la volière. Il y a les tortues terrestres que nous avons laissées à l'intérieur là-bas. Comme les autres sont terrestres, il faut qu'ils restent dans un endroit. Nous avons de manière spécifique certaines aussi d'espèces dont l'une la plus emblématique est le singe à ventre rouge ou le zinkaka qui vit en communauté avec le singe à ventre blanc, le Cercopithecus mona à singe blanc et le Cercopithecus erythrogaster qui est le singe à ventre rouge appelé zinkaka qui est endémique du Dahomey Gap. Et au niveau de ces singes, nous avons seulement au départ une population de 8 individus. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus d'une quarantaine d'individus et ils ont déjà formé plusieurs groupes. J'ai dit bravo, hein, bravo, bravo, avec Astonia congensis qui est en fleur. Ça alors? C'est une espèce qui a été plantée en 2012. Nous avons également une espèce qui est menacée et qui est présente dans le jardin, mais que les autres, on ne les voit que la nuit. C'est les galagos.
qu'on appelle Demoti, en fond. Les galagos, qui sont devenus très rares et qui aujourd'hui, nous avons, avec l'appui de la Direction générale des eaux et forêts, nous ont permis de faire des lâchers et de l'introduire de certaines espèces à l'intérieur du jardin. Nous attendons avec la Direction des eaux et forêts, ils ont promis nous donner des pans, hein, qui est également une espèce rare. Ils ont promis nous donner des pans et nous aurons ces pans avec leur bénédiction très bientôt. Vous pouvez venir voir les poissons de l'autre côté, mais ça, ils ont commencé par revenir, circuler. Je ne sais pas si ça serait... On leur donne de la provende. Pas de manière quotidienne, on leur donne de la provende. Ils parlent combien de temps pour grandir? Non, ils ne sont pas élevés pour la consommation. C'est juste pour un exemple. Il y a des hémichromis, hein. Il y a plusieurs espèces de tilapia dedans. Voilà de manière ramassée ce que nous pouvons dire. Je vais terminer pour dire que nous avons également des ânes qui se promènent sur le campus. Ce sont les ânes du jardin botanique. Je souhaiterais que les gens n'aient pas peur des ânes. Mais je souhaiterais également qu'ils n'agressent pas les ânes. Ces ânes ne sont pas agressifs. Je dis ne pas s'interposer entre le mâle et la femelle. Il y a d'autres qui s'amusent, ils grimpent, ils font des selfies avec les ânes. Mais parfois, il peut devenir agressif lorsqu'il est en chaleur et il est en train de faire sa parade avec la femelle que vous interposez. Il peut vous agresser. Mais l'âne va vous agresser, mais il n'est pas aussi dangereux que ça. Et quel que soit le hap, ce que peut vous procurer comme blessure, ce n'est pas grave. Mais de grâce, nous avons pris des dispositions pour les faire sécuriser, les rentrer, les mettre en ordre. Mais comme l'âne est têtu, ce n'est pas facile de les maîtriser. Mais nous y attelons pour finir avec ce dossier.